La grossesse est généralement perçue comme une grâce, une bénédiction pour les couples. Cependant, lorsqu'elle survient, quand nous sommes encore sur les bancs, cela peut chambouler tout un avenir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Un couple, une histoire, votre émission qui vous introduit dans l'univers des couples à travers des histoires aussi palpitantes les unes que les autres. Pour vous ce jour, nous recevons Monsieur et Madame Diani. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble leur portrait. C'est en 2004 que Diani Maury et Corey Denise se rencontrent pour la première fois. Denise est troublée lorsqu'elle entend Maury lui dire qu'elle serait la femme de sa vie et la mère de ses futurs enfants. Tous deux, encore élèves au secondaire, ils décident de suivre le battement de leur cœur et se mettent en couple. Après une dot célébrée en 2016, Maury Diani et Denise officialisent leur union le 30 décembre 2021. Pour accéder au bonheur et à l'harmonie aux côtés de leurs quatre merveilleux enfants, Maury, logisticien de profession, et son épouse Denise, qui elle est commerçante, ont dû affronter la traversée du désert. Passionné d'un couple une histoire, pour le numéro de ce jour, nous recevons Monsieur Diani Maury, il est logisticien. Bienvenue. Merci Méliane. Et sa ravissante épouse, Corée Denise, épouse Diani, elle est commerçante. Bienvenue. Oui, merci Méliane. On vient de suivre un élément. Est-ce qu'on retrouve, est-ce que vous reconnaissez dans l'élément qu'on vient de voir? Vraiment, c'est un portrait parfait. Je pense que vous avez trouvé juste. Elle est toujours avec nous en plateau et c'est un plaisir de la voir. Coach Diante Afoué, Emmanuela Adiafi, bienvenue. Merci Méliane. Il faut rappeler, pour ceux qui nous prennent en marche, elle est conseillère matrimoniale, elle est formatrice et elle est conférencière, elle est architecte en construction de vie. C'est exactement. Et avec elle, justement, nous allons parler d'amour, de découverte, de Cupidon dans la rubrique romance. Dans cette rubrique, nous découvrons l'origine de cette histoire d'amour. Et je vais me tourner tout de suite vers Maury pour savoir quand est-ce que tout a commencé. Au quartier, pendant que j'étais parti faire des emplettes à la boutique, il y a une jolie femme passer comme ça. Joe, ma chérie, s'il te plaît. Elle dit, vous me parlez, yes. En tout cas, c'est très belle, tu seras la mère de mes enfants. Il a dit que c'est un jour-là. Elle vient le bêter. C'était en 2004 que ça ne pouvait pas marcher vu la crise qu'on connaît, tout ça. Et non, 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 moi, il va jusqu'au bout. Hein. Moi, il n'y a pas d'échec chez moi. C'est là tout est parti. Le chat a contacté, elle m'a indiqué sa maison. Le soir était à la porte. Tapé la porte. Hein. Attendez. Vous la croisez à la boutique, on va dire comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui vous attire tout de suite chez elle? Bon, à vrai dire, c'était ma première fois de voir une belle femme. Ah, donc depuis vous existez là, il n'y avait pas de jolie femme? Bon, parce qu'il n'y a pas pour habitude de me balader, je suis toujours à la maison. On voit des filles, mais quand tu sens, quand tu vois ton goût, tu connais. Denise, il vous aborde, il vous dit que vous allez être la mère de son enfant. Qu'est-ce qu'on se dit? Bon, je passais, il va t'acheter à Loco à 16h. Donc, il était arrêté quand il m'a vu. Comme je suis tournée, je l'ai regardé, nos yeux sont croisés. Il dit, ah, tu serais la mère de mes enfants. Donc, je l'ai regardé, dis-moi. Il dit, oui, c'est de toi, il me parle. Bon, moi, je n'ai pas pris ça sur le monde, j'ai acheté la Loco, j'ai pris ma route, je suis partie à la maison. Le soir, je suis couché sur la terrasse et ma grande soeur, quelqu'un tape à la porte. C'est qui? Il dit, ah oui, mais il est pas, la personne attend, tu tirais le porteur à l'entrée. Mais va voir. J'arrive au porteur, j'ouvre le porteur, je le vois. Mon cœur s'est coupé en même temps. J'ai dit, mais tu viens de chez quoi? Il dit, attends, je vais passer. Aïe! Donc, il est laissé derrière, je suis parti m'asseoir. Donc, il est venu s'asseoir près de ma grande soeur, il a salué pour lui. Ma grande soeur, ah, bonjour mon fils, on dit quoi? Tu es venu? Il dit, non, maman, je suis venu voir Denise. Donc, moi, j'étais couché sur la terre. Il dit, mais quelqu'un veut te voir, tu es arrêté. Je l'ai pris, il dit, allons-y. Il dit, non, quand ça sort dans la cour, il dit, non, allons devant. Donc, comme ça m'arrivait, il dit, oui, tu veux quoi? Il dit, arrêtez, il dit, non, que je suis la mère de mes enfants. Il dit, maintenant, ta mère des enfants, c'est moi. Pardon, attends, je vais passer. Il était venu parler, on a fait l'amour d'abord. Voilà, bon, il a commencé à parler que, non, c'est rentré ici, non, il m'a vu vraiment depuis ma vie, depuis matin, là, vraiment, il ne peut pas.
Et tu m'as pas dit. Non, mais tu étais fin aussi, oui. Tu m'as pas dit. Toi, mais tu étais un peu fin aussi. Donc, moi, je suis là pour parler le jour. Moi, je rentre en après. Donc, il est parti à la psychologie. Donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à parler le riz et cuit. Donc, il s'est rentré, maintenant, ça, il sait qui. Il dit, ah, c'est un jeune à la psychologie. Elle dit, je t'ai parlé à faire des psychologies, là. J'ai dit, j'aime pas les jeunes de là-bas. Il dit, ah, lui, mais je le vois pas comme ça. C'est ma première fois que je le vois. Il dit, OK. Donc, il a fini pour parler le riz. Je me suis là, dans la cour. Il est revenu encore. Il dit, OK. Donc, nous sommes sortis devant le portail. On s'assit, on a posé, tout ça. Que lui, le Djoula, dit, ah, moi, je suis bêté. Donc, ça, là, on fait comment? Il est bon. On va. Qu'est-ce que ça a donné? OK. Donc, on a causé jusqu'à il est rentré. Moi, je suis rentré. Donc, un peu, il venait, on se voyait. Des fois, quand j'ai envie de le voir, j'envoyais mes neveux derrière lui. Il venait. Donc, ma grand-soeur avait une table au marché. Mm-hmm. On vendait les chaussures frippées. OK. Donc, quand il va à l'école, il appelle. Il dit, ah, si tu descends, je suis au marché. Il dit, d'accord, comme je cours, je descends à midi, je descends. Donc, quand il vient son quartier, on assiste jusqu'à finir de vendre. Il m'aide à ramasser les chaussures, je ferme. Puis, on vient à la maison. Ah, d'accord. Donc, vous aviez arrêté les cours, voilà, vous vendiez, donc, vous avez votre étalage. Voilà. Quand il va à l'école le matin, parce que nous sommes au bord de la route. Donc, il est dans la cour, mais quand il passe, je le vois. Donc, quand il le voit, il me fait signe, il sort. Il dit, ah, tu as quoi à quel âge? J'ai quoi à 8 heures, mais je finis à midi. Il dit, OK, donc tu me trouves au marché, qui m'a mis à On a accompagné ton neveu. Hein. Voilà, mon neveu m'écoutait, c'est la ouais. personne à l'eau là. Mm-hmm. C'est lui qui faisait la matinée. Donc, quand je m'en vais à l'école. Moi, toi, au lycée garçon, lui, son école était. Près du lycée garçon. Voilà. Donc, je l'attendais. Mm-hmm. Donc, quand il finit de s'habiller, je l'attends devant la cour. Donc, ma maman, quand se me demande, mais tu attends qui? Je ne parle pas, je suis arrêté. Donc, je vais l'accompagner, qu'il la cour à 8h30. Est-ce qu'on est pressé matinée, ça en fait quoi? Attends. Je la sentais. Voilà. Donc, quand il le voit venir, il commence à monter. Maintenant, quand il me trouve, on marche, on partait. Des fois, je l'accompagne jusqu'à devant son école. Moi, j'accompagne mon neveu, puis je prends ma route, je viens. Bon, quand on s'attrape à midi, il n'y a pas de souci, c'est fini. Bon, l'amour est venu, on était dedans. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous aimez chez Maury? Chez Maury, c'est que j'ai aimé, puis je continue d'aimer. Quand je l'ai connu, il n'est pas bavard, et puis c'est quelqu'un, il ne se promenait pas. Comme ça, quand je lui demande après, il est toujours à la maison, tout à la maison, tout à dire, OK, c'est quelqu'un de tout à la maison, c'est que, bon, il est bien. C'est quelqu'un qui s'est promis, tu lui as demandé, lui, il est ses amis, il est celui-là, bon, j'allais pas aimer. Maury, et vous, qu'est-ce que vous avez aimé chez Denise? La beauté, sa beauté d'abord, un peu sa moralité. La première fois que je l'ai vue, elle était dans son petit pagne, son petit body. Tout à l'heure, ça sautait à mes yeux en même temps sur le champ, disons. Sur le champ, sa beauté m'a tapé à l'œil. Mais à force d'échanger avec elle, j'ai découvert d'autres vertus. J'ai vu que nous étions sur quelque peu compatibles. Et on va aller à l'étape des fiançailles. Comment est-ce que se font les fiançailles? À l'époque, d'abord, j'avais décidé de me marier étant très, très jeune, de très vite me marier. Et puis, quand j'ai rencontré la femme que j'aime et que je pensais aussi qu'elle m'aimait, j'ai dû passer à l'action, quoi. Donc, j'en parlais à mes parents. Parce que j'étais un agent commercial. J'ai voulu faire mes choses moi-même à mes propres frères. En fait. Donc, il y a eu une somme d'argent, une bonne somme d'argent. J'ai en parlé à mes parents qui ont contacté mes oncles pour demander ça, même pour faire la dot. Elle était informée qu'on venait faire la demande ou pas du tout? Il ne lui a pas parlé. J'ai fait ça comme une surprise, en fait. Denise, comment ça s'est passé? Bon, j'étais chez ma grand-sœur, l'une de mes sœurs aussi à Bobo. Donc, un soir, puis mon téléphone sonne. Ma grand-sœur, où j'étais à Bergerville. Elle m'appelle, elle dit, ah, que ton mari te fait une surprise. Hein. Elle dit, quel genre de surprise? Elle dit, non, il faut rentrer. Si Benjeville, il faut venir à Pauline, être ta grande soeur. Donc, ma grande soeur dans la cuisine, elle dit, il y a quoi à Benjeville là-bas? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est ta grande soeur qui nous appelle. Elle dit, non, que Amour, il veut me faire une surprise. Elle dit, ah, non, c'est une surprise. Je vais laisser la nourriture partir rapidement. Elle dit, aïe, on va manger d'abord. Aïe, surprise, si il veut une surprise, ça nous attend. Donc, elle dit, non. Comme on dit, c'est une surprise à faire. On était déjà 14h. Donc, on s'est lavé rapidement, ma grande soeur. Bon, elle a pris son sac, j'ai pris mon sac, ils sont rentrés dans les bacs. J'arrive à la maison, et tout, ma grand-soeur, elle assise. Elle a souri, dit à quoi? Elle dit non, il n'y a rien, que c'est moi, il va te faire une surprise, donc on attend. Donc j'étais en train de causer mes grands-soeurs, voir ses oncles, son papa, ses tantes. Aïe. Donc mon cœur s'est coupé, il dit à quoi encore? Ils sont rentrés, on a donné à soi, tout de l'eau à boire. Ah, il a dit non, il n'y a rien. Car c'est notre enfant qui nous envoie vers vous que, ah, il veut doter Denise. OK, d'accord. Donc, les parents m'ont demandé, ah, on est venu te demander d'abord. Tu lui as dit, ah, il n'y a pas de souci, c'est mon mari. Bon, c'est mon chéri, on est ensemble. Il est venu me doter là. C'est que c'est un homme, il s'est décidé, donc ça va. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça, ce n'est pas des jeunes qui font ça aussi. Si c'est décidé, c'est qu'il m'aime vraiment. Donc, ma maman se dit, non, il n'y a pas de souci. Donc, venez tel jour. Donc, on a donné un jour, ils sont venus, ils ont fait la dot, calmement, tout. Puis, ils sont partis.
Donc, ça veut dire que même la dot et tout, vous n'avez pas été associé. Il a tout organisé. Voilà. Afoué. Moi, j'ai envie de demander à Maury comment il a fait pour obtenir la liste, parce que bien souvent, c'est la fiancée qui prend la liste des éléments à fournir pour la dot. Comment il a fait pour obtenir la liste? Bon, je parle à tes oncles aussi, ils sont chargés de faire les démarches dans la belle famille. C'est pas une histoire d'enfant, quoi. Voilà. D'accord. J'ai laissé le soin, cette charge à mes oncles paternels. Et on a pu gérer ça. Donc, ils vont organiser, on va avoir les dots. Et ensuite, le mariage, le jour J. Comment on se sent, Maury? Ta tête chauffe. Et si t'es pas fort d'esprit, même, ça dit, tu fais plus le mariage. Mais que tu vois que t'es trop engagé, et puis bon, tu laisses aller, quoi. Bon, y a beaucoup de preuves. Et ouais, on la voit arriver. Est-ce que tu es suffisamment prêt, même, pour m'engager? Il m'engage dans quelle histoire, même? On la voit arriver ce jour-là, dans la belle robe blanche. Qu'est-ce qu'on se dit? J'ai un petit un chef. Donc on la voit arriver, on dit ouais petit, tu es chef. Tu es fier. Il était fier de la voir. Ouais. Denise. Bon, quand il m'a parlé du mariage, j'ai dit ça à mes soeurs. Mes soeurs disent waouh, bon, c'est du sérieux. Hein. J'ai dit mais c'est pas c'est du sérieux depuis il a fait la dot. À fin de mariage, j'ai appelé mes soeurs. Tout. Elle dit ah, je me marie tel jour, hein, le 30 décembre. Elle dit vous nous pressez aussi, vous, toi et ton mari, vous êtes trop amoureux, vous nous pressez quoi, 30 décembre comme ça à reporter. Ils n'ont pas à reporter. Le 30 décembre, ils n'ont pas le temps, donc à recevoir les photos. Ceux qui ont le temps, venez, on va faire le mariage. Donc, ça, ma famille est venue, plus sa famille. En tout cas, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et ce jour-là, on s'est dit quoi? Ah, wow, ce jour-là, bon, c'était du balèze, c'était bon. En tout cas, ça s'est tellement bien passé, tout le monde était content. Moi, j'étais tellement contente même. Bon, ça s'est bien passé. Les émotions. Voilà, c'était bien. On a pleuré un peu ou pas? Pleuré là, on a pleuré. À quel moment? Pour où je pleurais, j'étais chez mon aîné est venu parce qu'il ne sentait pas bien. Mm-hmm. Elle a problème de dos. Donc quand je portais ma robe de mariage, et puis elle m'a attrapé. Elle a attrapé mes deux mains. Elle dit c'est moi, j'étais élevé. Je portais alliance. Cette alliance-là, c'est ça que tu t'as emporté aujourd'hui. Je t'ai élevé. Ça s'est bien passé. Je suis contente. Ouais, quand tu élèves quelqu'un, il faut qu'elle devienne quelqu'un aussi, que ton bon nom aussi soit. C'est ma petite soeur, j'étais élevée. Je me suis mariée, toi aussi, c'est à ton tour. Que Dieu t'accompagne. Et puis, ça m'a fait pleurer. Elle dit, non, mais tu ne m'accompagnes pas à la mairie. Elle dit, je vais venir, comme mon dos me fait mal. Je vais prendre des médicaments. Je vais te trouver à la mairie. Et c'était beaucoup d'émotions. Mm-hmm. On a les larmes encore qui remontent. De revoir, de se souvenir de ce jour si important, si mémorable. Et on va se marier. On retrouve son époux, Maury, qui nous a dit le premier jour, tu vas être la mère de mes enfants. Mmh. Et ça se concrétise, on rentre à la mairie, on célèbre ce jour. C'est quoi tout ce cocktail d'émotions qui nous envahit? Bon, tout ce que Dieu fait, bon, il a fait tout ça là. Puis ça, on aurait dû se marier jusqu'à la mairie. C'est qu'il est sérieux, c'est un homme. Quand c'est un homme, là, quand il dit, il faut faire. Moi, il me dit, non, quoi, il y a des jeunes qui enceintent les filles, puis ils les laissent. Mais si aujourd'hui, c'est arrivé là, jusqu'à la mairie, c'est qu'il a pris une bonne décision. Que Dieu nous accompagne, des points. On va pas quand même passer cette rubrique sans parler de ces marches au jardin botanique. Maury, si vous nous suivez, c'est l'occasion hein, de bien écouter cet instant parce que c'était les moments de drague de Maury. C'était, comme on le dit généralement, ces techniques d'approche, ces astuces et ces éléments de séduction. Le jardin botanique, Maury. Le jardin botanique, c'était un endroit où on passait passer le temps dans la nature, paisiblement, marcher, balader un peu. Parce que je me dis, en couple, il faut beaucoup échanger pour être approché, pour être plus proche. Donc, j'aimais l'écouter, l'admirer aussi. Aussi, elle faisait autant. Là-bas, c'était pas, il n'y a pas de bruit, on était nous deux seulement. Parce que dans le monde, les maquis, nous, c'était pas notre style, quoi. Les maquis, on ne profite pas bien de la vie. Nous, on trouvait des endroits paisibles où il y a les chants des oiseaux, les arbres, les fruits, tout ça. On avait le temps de bien causer. Voilà. Une petite anecdote comme ça qui vous vient, Denise? C'est la même chose. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les maquis, les bars, parce que je bois pas. Donc,
quand on se voit, il dit, bon, d'accord, allons au jardin botanique, on va s'asseoir pour réfléchir, on est jeune, on va se 15. Il dit, ok, donc on marche. Quand on arrive au jardin botanique, on s'assoit, on cause, ah, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu... Il dit, ah, on est là, on est à l'aise, nous sommes jeunes, on peut décider tout ça, là, comment tu veux qu'on marche, comment tu veux que ça se passe, quoi. Il dit, il n'y a pas souvent, on s'est donné des idées, on s'assied là. Après, c'est parti à 14h, on s'assoit jusqu'à quand il est 16h, il dit, ah, moi, je vais rentrer, parce que je suis ma grand-sœur, je vais faire le ménage, tout ça là. Il dit, non, il n'y a pas souci, puis c'est comme ça, on descendait. Puis on s'est séparés au café, il rentre, puis moi, j'y rentrais. Donc, c'était les beaux moments. Hein. On va dire, Afoué, c'est des petits moments romantiques comme ça aussi. Oui, des moments chics, parce que j'aime beaucoup l'idée de se retrouver au jardin botanique. Ce sont des endroits qu'on ne visite pas souvent. Et vraiment, c'est un lieu à visiter. Et au lieu de partir dans les maquis, des endroits qui sont brouillons, et on ne va pas surtout à l'essentiel, parce qu'on passe son temps à chiller, comme aiment dire les jeunes, mais on ne se pose pas les vraies questions, on n'aborde pas les vrais sujets. Et alors que là, dans le jardin, on a le temps de vivre en amoureux. Comme quoi, les pique-niques et tout, c'est pas que... C'est pas que pour les blancs, quoi, voilà. Évidemment, parlons de bons sujets, vous êtes au bon endroit, parce que dans En couple, une histoire, nous touchons les sujets du doigt, nous abordons les thématiques des couples, nous montrons ce qui fait mal parfois dans le couple, et je vous invite à aller dans la zone de turbulence pour découvrir les difficultés du couple Diane. Élève, nous étions très tôt confrontés aux difficultés de la vie de couple. Et là, je me retournais vers M. Diané. Étant sur les bancs, Denise contracte sa première grossesse. Maury, comment est-ce qu'on vit cela? Avec beaucoup de craintes. Au début, ça fait peur. Au début, ça fait peur. Quand quelqu'un vient te dire, je suis enceinte, tu penses à tout, ton avenir, les parents, quand ils vont voir, tu te dis que tu es mort, quoi. Donc, tu commences à maigrir tout seul. Et la première grossesse, vous étiez en... Premier. En première. Ouais. Denise, comment est-ce qu'on a vécu cela? Bon, quand j'étais en début, bon, je ne savais pas qu'il était en début, donc j'avais grossi. Donc j'étais assis dans la cour, et puis la camarade de ma grand-sœur est venue. Quand elle est venue, elle lui a dit bonjour, tante, elle dit bonjour. J'ai posé ma grand-sœur, elle était assise à la terrasse. Donc quand je me suis levée, elle dit à ma grand-sœur, elle dit, c'est que ta petite-sœur est enceinte. Elle dit, non, ma petite-sœur n'est pas enceinte. Elle dit, elle reçoit une femme enceinte. Entends, ma grand-sœur qu'on n'est pas femme enceinte. Donc, je suis venu, les femmes ont causé. Donc, quand sa camarade est partie, elle m'appelle, elle dit, Denis, tu es enceinte. Il dit, je ne suis pas enceinte. Hein. Qui a dit ça? Elle dit, ah, ma camarade qui est venue, elle dit, non, que tu es enceinte, je suis pas enceinte. Et je suis allée me laver le soir. Elle dit à la Sylvie, que je lui dis, ouvre la porte de la douche. Donc, j'étais face à la porte comme ça, je me rinçais. Donc, elle est venue, on fait la porte de la douche. J'ai eu tellement peur, j'ai fermé. Bon, j'ai eu peur, puis j'ai fermé le robinet. Elle dit, mais tu es enceinte. Ton ventre commence à sortir à ton nombril. Donc, elle a dit ça. L'eau a commencé à couler sur moi, puis mes larmes coulaient en même temps. Elle m'a dit, il faut te rincer sur toi, il faut me trouver dans ma chambre. Donc quand j'ai fini mes sessions, mes sessions dans la chambre, elle me dit, assieds-toi. Elle dit, c'est ta grande soeur. Depuis papa est décédé, maman est décédée, moi je t'ai élevé. Tu es enceinte, il faut me dire la vérité. Elle dit, oui, je suis enceinte. Elle dit, lui qui t'enceinte, tu le connais. J'ai dit, oui. Et c'est le jeune qui vient la cible. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Comme je mets les soins à l'église, tu dis à la cible que je dis, donc on s'en va ensemble, tu rentres chez lui. Tu dis, notre retour, quand j'ai fini à 20h, il faut le faire signer à l'humain. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand il est parti, donc je l'ai trouvé, on l'a trouvé au parking. Donc, quand je l'ai vu, il dit, ah, ma grand-soeur a pris d'ailleurs, je suis enceinte, qui m'envoie là, je ne vais pas laisser, je vais l'humain. Tu es enfant de quelqu'un, tu ne veux pas faire avortement, et puis quelque chose va t'arriver, ça, c'est ma conscience. Mais avant, est-ce que vous saviez que vous étiez enceinte? Non, je ne sais pas. Bon, je ne savais pas qu'il était enceinte. Parce que vos règles venaient convenablement. Voilà. Bon, je me dis, non, que donc, moi, il grossit. Je me dis, non, que c'est normal, il grossit. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mais quand ma grand-sœur m'a dit ça, donc, en mode, qu'elle marchait, qu'elle partait à l'église, donc, ça me dit, donc, aïe, donc, je suis enceinte. Hein? Ça, là, il fait comment? En tant que ma grand-sœur m'a élevée, là, elle n'a jamais crié sur moi, elle ne m'a jamais porté main, elle me prenait même chose comme ses enfants. Donc, quand tu arrives à la maison, c'est pas qui est petite sœur, qui est grande sœur. Donc, quand je l'ai laissé à l'église, je suis rentré. Je l'ai croisé au parc, il dit, ah, ma grand-sœur a su que je suis enceinte. Donc, il est rentré. On est chez lui. Moi, je commence à partir à la maison. Donc, quand ma grand-sœur est quittée à l'église, il fait signe, il est venu à la maison. Donc, ma grand-sœur dit, ah, bonsoir, mon fils. Il dit, ah, bonsoir, maman. Ah, voilà ma petite-sœur. Elle est enceinte. Donc, enfant. Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Venez le lendemain. Vous voyez, mes parents vont à la prière à 18h, ils viennent à 20h. Le lendemain,
On attendait 18h-19h. Moi et ma grande soeur et ma tante sont rentrées. Lui n'était pas à la maison. Donc quand nous sommes arrivés net, ces petits frères étaient donnés de l'eau à boire, de manger de l'eau à boire. On vous connaissait déjà chez les parents de Maurice, c'est ça? C'est ça, mais c'est les parents qui ne me connaissaient pas. Mm-hmm. Okay. Non, mais papa, t'as vu la première fois que tu es parti à la maison, maman n'était pas là. Papa, t'as vu? Voilà. Donc on sent comme je suis arrivé. Et mes grandes soeurs étaient assises. Ma grande soeur, plus ma tante, ils ont donné de l'eau. Ma grande soeur, ils l'ont merci qu'on est venu voir papa et maman. En même temps, sa maman et son père sont tout à la mosquée. Ils nous ont trouvés au salon, ils ont demandé une nouvelle, tout. Ah, on dit quoi? Ma grande soeur dit non, il n'y a rien de grave. Votre enfant, plus ma fille, elles sont les amis. Ah, votre fille, ça vaut aussi ma fille. En tant que des musulmans, moi, je suis bêté. La première question qu'on me pose, c'est quelle est-il? Ma grande soeur dit on est bêté. Quand on dit on est bêté, les parents se sont regardés. Ils ont pensé aussi en parlant à Maléke. Ah, que bêté, elle est là, ça là. En même temps, lui, il est rentré en même temps. Quand il est rentré, ça m'a dit voilà, il faut t'asseoir. Non, attends, expliquez ma partie. Okay. Ah, moi, il voit beaucoup de tapettes devant la maison. On dit le voir ici en même temps. Il me dit qui est venu me voir. Il rentre, il regarde sur toi. Il le voit ici. Il me dit assis par terre, lui, de fauteuil. Aïe. Il dit tu viens, ma fille. Il dit ouais, il a connu. Maintenant qu'il a s'intéressé, papa, oui, maman, et tout le monde. Et puis mon gros cœur. Et papa, c'est moi. Donc depuis lors même, sa grosse a mis ma franchise, c'est ça, non? Oui. Parce qu'elle a dit ouais, que c'est lui qui m'enceintait. Tout ce que ma grosse fait rien, il ne faut pas, il va dire que ce n'est pas lui. Donc c'est celle qui rien. Donc avant de partir, moi, sur la route même, elle me pose la question. Le jeune, là, c'est lui. C'est lui. Ah, c'est pas lui qui vient de moi. Mais il y a sa camarade là. Elle dit, où on s'en va là? Ah, ça va chauffer. Ma grosse dit pourquoi ça va chauffer. Elle dit, son du là, on est bêté. Où on s'en va là? Donc elle a bien parlé d'elle. Donc elle a commencé à attacher son parent. Maintenant, quand nous sommes arrivés à la maison là, donc quand les parents ont commencé à faire taper, elle dit, ma grosse est embêtée. Je vais faire quelque chose. Maman, c'est. Faut pas faire. Parce que tu as fait par là, tout de suite là. Quand ma petite va accoucher, je vais avoir honte de venir. Par là, il faut laisser. Donc, il a dit non, que c'est lui qui m'a enseigné. Sa maman dit tu es sûr que c'est toi. Il dit oui, c'est moi. Maman, c'est moi. Il dit c'est ça. On a compté quoi. Ça fait combien de mois? Il dit 4 mois. On m'a demandé ça fait 4 mois. Il fait 4 mois, on a compté ça. Son père dit bon, il n'y a pas de souci. Maman se dit ah là, voilà. Chez nous, les gens de l'Ouest, on n'accouche pas en famille. Si vous voulez aussi qu'elle accouche en famille, vous allez envoyer mouton plus poulet. Mais comme elle est chrétienne, dans les choses comme ça, elle ne veut pas. Donc, calmement, elle est venue me déposer. Il finit d'accoucher, elle ne m'a pas chassé. Hein. Elle dit, je n'ai pas chassé ma petite soeur. Je n'ai rien fait ma petite soeur. Elle a fait, elle finit d'accoucher. Elle revient chez moi. Parce que c'est ma petite soeur. Il n'y a pas maman, papa, c'est moi, je l'ai levé. Donc, elle n'est pas chassée, elle peut revenir en famille. Donc, mon père dit, il n'y a pas de souci, tout ça là. Donc, moi, la nuit, j'ai suivi ma grande soeur. Quand nous sommes arrivés à la maison net, en même temps, il voit mon beau-père qui me suit. Mais ma grand-soeur dit, ah, il y a un problème, mon frère. Il dit, non, il n'y a pas. Maintenant, vous êtes venu calmement, vous avez parlé là. Vraiment. Quand vous avez dit, vous étiez bêté, même, nous, on a eu peur. Bêté. Du là, c'était bêté. Ça a devenu comment? Mais quand vous êtes venu comme ma grand-soeur dit, non. Moi, je connais la parole de Dieu. Le papy, c'est les enfants. Voilà, là, si on fait, non, ce n'est pas lui, lui, ce n'est pas elle. Ça s'est passé comment? Il ne faut pas se cacher. Elle va aller boire des médicaments, elle va mourir. En tant que c'est la vie médicale, moi, j'ai perdu. Pour vous, là, il va vivre. Donc, on va faire ce qu'on fait, c'est doucement. On va prier, Dieu va voir comment ça s'est passé. Puis, elle va coucher calmement. Mon père dit, ah, madame, je te dis merci beaucoup. En ce moment, mon beau était là. Mon beau m'est sorti. Maintenant, je dis, ah, viens. Le beau père de Denise est venu. Quelle est venue, c'est la même chose. Elle a dit, elle, c'est plus ma belle-sœur. C'est ma fille. Mon père dit, ouais. Moi, vous avez reçu, vous avez parlé là. Moi, si je viens d'apprendre, on va aller à la maison. Donc, il dit, de faire mon sac, on va partir la nuit. Il dit, ah, papa. Il a dormi, demain je vais partir. Il dit non, on s'en va ensemble. Ma grand-soeur dit, mais c'est comme ça, son foyer a commencé comme ça. Où tu as pris le ventre là? C'est un foyer qui a commencé comme ça. Donc il a commencé à pleurer. Il dit, faut pas pleurer. Foyer a commencé. Donc prends tes affaires, tu vas partir. Comme c'est pas loin, ça l'a si cogé. Moi je suis au Carrefour. Donc le matin, tu finis de laver, tu finis de tuer. Je dis, mais toujours encore le soir, tu te rends. Donc quand je partais, il marchait, puis mes larmes coulaient devant le portail. Donc quand il s'est arrêté, mon père est sorti. Je me suis retenu, ma grand-soeur s'est arrêté. Mais mes larmes ont commencé à pleurer. Elle est venue. Et puis il ne faut pas pleurer. Et c'est si mort. Je suis toujours à Benjamin. Tu es derrière, juste derrière moi. Donc tu vas marcher pour venir. Mon ami, je suis parti. Et c'est arrivé, mon père, il faut t'asseoir. Ma mère m'a dit, t'es lavé. Il dit, tellement il était traumatisé. Il dit, non, il ne s'est pas lavé. Elle a dit, mais l'eau chaude au feu. L'eau au feu. Elle dit, va te laver. Moi, je suis ici à pied dans la douche. Je me dis, je me suis lavé déjà. Il me lavait encore. D'abord, j'ai pris l'eau, il me suis rincé. Où je me lavais, mon beau-père est parti, il a fait une couchette pour moi. Tout, ils ont mis de la tout. Je suis dit, va te coucher.
C'est comme ça. Vous aviez dans la même chambre ou moi, il y avait une chambre à part? Non, non, il y avait chambre des filles. Et puis, j'avais chambre des... Donc, comme ils sont arrivés, non, je vais dormir, c'est ça. Mm-hmm. Donc, je suis parti, il a fait ma couchette. Puis, je me suis couché. Donc, matin, comme ça, c'est parti jusqu'en... Ça se passait bien, vous avez accouché. Voilà. Le premier enfant, c'était un garçon. Mm-hmm. Après ça encore, vous êtes toujours sous le toit des beaux-parents. Une deuxième grossesse arrive, Maury. Donc, c'est la deuxième grossesse maintenant. Quand c'est arrivé maintenant, sa maman dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, ici dans mon foyer, vous devez venir faire foyer dedans. C'est que ça là, cherchez-vous. Le premier, moi, je vais le prendre. Mais deuxième, là, j'ai sa solution. Donc, j'étais en début, et puis on m'appelle pour me dire que maman ne se sentait pas bien. Maman était à Daloa. J'avais dit, ah, maman ne se sent pas bien. On demain très tôt là, tu vas partir à Daloa. Il dit d'accord. Donc, je suis arrivé, je dis ça à mon beau-père, ma belle. Donc, ils m'ont donné le transport. Quand moi, je lui ai dit d'accord. Donc, je suis dans le cas, j'appelle ma grande soeur que j'arrive, d'accord. Ok, ah, mon maman est à l'hôpital. Donc, j'arrive à 17h. Ma maman décède à 18h. Waouh! Donc, vous êtes retourné non seulement dans un deuil avec une deuxième grossesse et vous décidez de partir de la maison sans savoir exactement où vous allez. Mm-hmm. Maury, comment ça se passe? C'était un peu chaud. Mm-hmm. Beaucoup chaud même. Parce que. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de maison, tu vois. Mais je ne pouvais pas la laisser aussi dans la rue. C'était ma faute, au fait. C'était ma faute, disons, c'était important, c'est une grossesse. Il fallait que j'ai l'épaule. Donc, il partait faire de petits boulots pour avoir un peu de quoi manger. Si il y a eu un 5 000, 10 000, on peut passer la nuit au chaud à l'hôtel ou bien on dormait chez des amis, parfois même dans la rue. Vous dormiez dans la rue, ce que je vais dire, bon, on est assis, on peut pas s'asseoir quelque part où on aimait s'asseoir là. On peut être assis de 16 heures jusqu'au matin. La deuxième grossesse, mais oui, je me rappelle qu'un jour j'étais dans une école, c'était pas clôturé l'école, mais maintenant l'école est clôturée. C'était seulement que des classes. Donc il était parti se chercher. Donc toute la journée était quelque part, puis après des 17 heures, je suis parti m'asseoir dans l'école. Je l'attendais. J'avais porté un seul t-shirt avec un morceau de pain. Puis j'étais assis, puis mes lames coulaient. Je dis adieu. Mais tu dis, avortement n'est pas bon. Bon. Mais c'est parce que j'ai fait premier enfant, deuxième enfant, on m'a chassé. Bon. Comme ils m'ont chassé là, ça dépend de toi. Ils disaient à Dieu qu'il ne faut pas me donner les envies. Voyez, je suis enceinte. Si j'ai envie ou j'ai enlevé l'argent pour acheter. Donc, il ne faut pas avoir envie de quelque chose. Il y avait un jeune qui passait, il coiffait au Carrefour. Donc, il m'a vu à 22h, il a crié Denise. Donc, quand j'ai tourné, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Il dit, mais tu ne vas pas essayer. Non, j'attends mon lit. Il dit, ami, il est 22h, 23h. Tu es enceinte, puis tu es assise dehors comme ça, dans la fraîcheur. Donc, c'est mon morceau de pain que j'ai mis sur moi, puis j'étais assise comme ça, là. Il dit, bon, d'accord. Comme tu attends, moi, allons, tu vas te coucher. Moi, je vais rester dehors. Si je le vois, je lui dis, non, que tu es couché chez moi. Donc, quand j'ai dit, non, je veux m'asseoir, il dit, non, non. Que tu es enceinte, tu ne peux pas rester dehors. Et puis, dans une classe comme ça, toi, seul. Allons-y. Donc, quand je suis arrivé, le jeune, il a changé le drap de son lit, il a balayé sa chambre, puis il a fait la couchette. Il dit, tu t'es lavé. Il est réel, je serai. Il dit, mais c'est vrai, pas envie de me laver. Moi, je sais me laver, mais laver quoi même. Il dit, d'accord. Et bon, je viens d'acheter, elle, la serviette, que c'est matin, mais j'ai acheté. Donc, j'ai pris le docteur, puis j'ai mis ça sur le terre couché. Donc, d'ailleurs, il est parti dehors. Maintenant, quand il avait mouru, il dit, ah, Denise, ici, elle est couchée ici. Qu'elle peut faire des jours ici. Donc, lui, il est rentré dehors, puis il s'assit, il a attrapé mes mains. Il dit, hey, je viens d'arriver. Il dit, ah, j'étais dehors. Que c'est ton ami qui m'a fait monter dans sa chambre. Et est-ce que vos familles respectives savaient que vous étiez dans la rue? Bon, j'ai eu tellement peur, donc je n'ai pas dit à ma grande sœur. Sinon, elle a tout fait. Bon, elle a déjà supporté la première grossesse, deuxième grossesse, ça n'a pas supporté. Bon, elle savait que j'étais à Benjeville, mais elle ne savait pas où j'ai dormi. Donc, je lui ai dit comme ça, bon, j'allais à Yopougon. J'ai une de mes grandes sœurs. Donc, c'est comme ça, il dit d'accord. Donc, quand je suis arrivé à Yopougon, lui aussi, il a eu quelque chose aussi à Yopougon. Donc, il va le matin, quand il trouve quelque chose, de l'argent, s'il avait 10 000, 15 000, 20 000, chez ma grand-sœur, il vient me remettre quelque chose. Donc mes grands-sœurs ont dit non, que ah, nous, c'est notre petite, si on ne peut pas la rejeter, elle va rester ici. Toi, va te chercher, lui aussi, on s'est cherché. Si elle a eu quelque chose, elle va manger. Si elle a envie de quelque chose, si elle nous dit là, on va cotiser. Est-ce qu'arrivé un moment, il ne nous est pas arrivé de regretter vos actes, de savoir que vous êtes enceinte, vu tout ce que vous traversiez? Bon, quand j'étais enceinte, j'ai dit adieu. Bon. Tu as dit non qu'un enfant, c'est bonheur. Mais moi, je suis enceinte, puis je souffre. Après, comment est-ce que je parle sur l'enfant? Il dit, ah, ça fait rien. Il y a les femmes qui se promènent, elles sont enceintes. Mais toi, tu prends soin de eux. Dans ce moment-là, tu vas prendre soin de moi aussi. Mais moi, je suis au fini de mère de paix. Dans ma vie, là, ça t'appartient. Pour cette grossesse-là, je vais très bien m'accoucher. Et puis, ceux qui m'ont mis dehors, ou même ceux qui me voient dehors,
quand je vais accoucher plus tard, ils vont voir cet enfant. Et puis cet enfant, ça sera un témoignage. Pendant ce temps, Maury, vous, comment est-ce que vous viviez cela? Étant le père, étant dans l'incapacité de subvenir aux besoins de votre famille. Non, il y a pris mes responsabilités très tôt. Hein. Il faisait les promos vendre pour avoir un peu de quoi manger. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de toit, mais il n'y a plus de responsabilité. Quand tu dis qu'elle est enceinte, elle doit déjeuner, bien manger. Quand tu partais vendre le produit publicitaire, souvent tu peux descendre avec peut-être 3 000, 5 000 quand ça marche. Et puis souvent à la fin du mois encore, tu as une rémunération. Mm. C'est ça qu'on vivait. On a erré dehors au moins une à deux semaines. Quand vous dites erreur dehors, ça veut dire que vous n'aviez pas de maison fixe? On n'avait pas de maison fixe. Mais tu as dormi chez qui à Benjéville? Nous étions à Benjéville, on ne savait pas où dormir. Je n'ai pas venu demander un service à quelqu'un, puis demain, ça serait un sujet de moquerie, au fait. C'est moi qui ai mis la fille enceinte. Donc, ce n'est pas à cause de mon tic, à mon erreur. Ils vont me dire, oh, toi, là, ce n'est pas lui qui est enceinte, il va s'occuper. Donc, bon, il faut mes responsabilités. Quel est l'argent? On va dormir à l'hôtel. Et voilà, on est assis jusqu'au matin. Sur un banc, comme si vous étiez en train de causer. Voilà. Et vous restez là jusqu'au petit matin. Nos habitudes d'être ensemble, s'asseoir quelque part à causer, on les prolongeait jusqu'au lendemain, en fait. Mais comment ça se faisait, les consultations et tout ça? Elle partait à l'hôpital, on suivait. Elle me dit, non, il dit, non, tu dois prendre un carnet. Il t'a dit ça, non? Elle prend un carnet, c'est combien? Elle dit, non, 5 000. Et bon, va manager 3 000 là-bas, 2 000, attends, mais c'est pour manger. Et pendant tout ce temps, vous ne voyez pas votre premier enfant? Bon, quand je voyais mon mari, je lui demandais, ah, est-ce que tu vois l'enfant? Il dit, oui, l'enfant va bien. Étant une jeune, parce qu'à l'époque, vous étiez jeune, mm-hmm. Est-ce que l'envie de... Parce que là, vous n'aviez pas encore contracté mariage. Mm-hmm. Est-ce que l'envie d'aller vers une personne nantie ne vous a pas traversé l'esprit? Je ne suis pas dans la mode. Vous dites, non, je suis envieuse, c'est ça là. Non, non, non. C'est parce que j'étais pas envieuse, mais que j'ai gardé la grossesse et puis j'étais dans mon coin. Si j'étais envieuse là, peut-être j'allais faire plus que ça. Sinon, quand j'étais, mes parents m'ont demandé, il va à l'école, est-ce qu'il va te marier? J'ai dit à ma grand-sœur, je vais me marier. Ça serait mon mari. Puis ça serait mon histoire. Afri, qu'est-ce qu'on a envie de demander au couple? J'ai pas envie de leur poser de questions. J'ai juste envie de les féliciter parce qu'ils ont été responsables. Ils ont été matures. J'ai coutume de dire que la maturité, la responsabilité ne rime pas forcément avec avoir un âge avancé et qu'on peut être jeune et être responsable. Et le couple Diané vient de nous montrer que dans leur jeunesse, ils ont pu être responsables, affronter les parents. Vraiment, c'est à saluer et j'ai adoré particulièrement le mot de fin de Madame Diané. Il va me marier, c'est mon histoire. Et il n'y a pas meilleure phrase pour nous qui vivons ici à Un Couple, Une Histoire. On va applaudir justement. Généralement, dans la zone de turbulence, on est plutôt triste. On n'a pas pour habitude d'applaudir dans cette rubrique, mais face à la dextérité et au courage du couple Diané, nous avons dû applaudir et je pense qu'on va les applaudir encore. Il a rencontré son épouse, il était en classe de première. Ils ont eu à contracter deux grossesses. Comment est-ce qu'ils ont réussi à surmonter ces épreuves? C'est ce que je vous invite à découvrir dans la prochaine rubrique. Toujours dans votre émission Un couple, une histoire, nous recevons ce jour monsieur et madame Diané. Il faut rappeler qu'ils ont traversé des moments difficiles. Cependant, ils ont réussi à remonter la pente. Et dans cette rubrique conseil conjugal, nous allons nous tourner vers notre conseillère maison, Diante Afoué Emmanuela. Afoué, quand on est jeune, non autonome financièrement et de surcroît confronté à une situation de grossesse, n'est-ce pas une erreur d'entamer une vie de couple? N'est-ce pas une erreur d'entamer une vie de couple? Vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, je pense que la question ne se pose plus. Deux personnes qui s'aiment ont une vie sexuelle. Et à l'issue de cette vie sexuelle, on a une grossesse. Ne pas être en couple, la première question, c'est de savoir est-ce qu'ils s'aimaient. Si la réponse à cette question, c'est oui, alors il n'y a pas de raison que ces personnes ne soient plus en couple. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'ils soient encadrés par les parents, par la famille. La grossesse a arrivé, ce n'était pas une grossesse qui était planifiée. Nous devons gérer. Et fort heureusement, Monsieur Diané était un jeune homme très responsable, prêt à assumer cette grossesse vis-à-vis de son amoureuse et vis-à-vis de sa famille. Donc la famille qui les a acceptés
devrait accompagner le couple justement pour limiter les dégâts. Je dis dégâts en griffes parce qu'avoir un enfant, ce n'est pas un dégât. Mais quand ce n'est pas le bon moment, ça entraîne beaucoup de difficultés, surtout financières. Donc, la famille doit encadrer le jeune couple, leur apprendre ce que c'est que le planning familial, mettre la jeune dame, une fois qu'elle accouche, sous contraceptif pour ne pas qu'elle contracte à nouveau une autre grossesse qui ne serait pas arrivée, qui ne viendra pas au bon moment. Sinon, ce n'est pas une erreur que le couple continue de vivre sa relation de couple, surtout si les deux concernés s'aiment. Et là, comme ça, je vais demander à Maury, comment est-ce que vous percevez la situation? Je me sentais quelque peu coupable, donc je devais remonter la pente parce que mes plaintes n'allaient pas arranger la situation. J'étais déjà préparé, donc il fallait assumer. Quand le problème est posé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver immédiatement une solution. Il y avait plusieurs opportunités. Soit tu vas plus à l'école et tu te mets dans la vie active, tu deviens responsable. Parce qu'il y a quelqu'un qui compte sur toi plus, madame et des enfants. Et à quel moment est-ce que tout devient plus stable? En 2011, elle m'a informé qu'elle ne va pas se monstrer. Et elle a dit, bon, cette fois, on ne va pas faire comme les autres fois. Hein. Je vais m'arranger, tu vas dormir dans ma maison, tu vas coucher dans ta maison. J'ai dû prendre un petit entrecoucher. En termes de solution, puisque nous sommes dans comment le couple surmonte, je voudrais lancer un message aux parents. Avoir une grossesse, être enceinte lorsqu'on est jeune, ne signifie pas obligatoirement qu'on doit arrêter les études, que ce soit pour la jeune fille ou que ce soit pour le jeune homme. De sorte à ne pas les mettre dans une situation de précarité comme a été monsieur et madame Diané. De sorte à leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Merci, Yenfoué. Effectivement, monsieur et madame Diané, quelles leçons vous avez retenues de votre histoire? C'est pour dire que de ne pas baisser les bras et puis de ne pas penser à l'avortement. Dieu, là, c'est lui qui donne l'enfant, c'est lui qui nourrit. S'il nourrit les oiseaux du ciel, c'est que mon père me nourrit. Donc, c'est les choses que je mettais dans la tête. Puis, je lui disais que, quand il venait me voir, il dit, tu vas travailler. Ceux qui ont vu ton enfant, ils vont voir ton après. Et puis, je ne vais pas te laisser pour aller chercher un autre homme pour de l'argent. Moi, je vais brouiller par mes 10 doigts que Dieu m'a donné, je vais me chercher. Je suis parti, mais si je cherchais à vous dire, je travaille chez une dame. C'est comme ça que j'ai eu un peu d'argent, je l'ai appelé un jour. Vous faisiez quoi comme métier? Bon, je faisais le ménage dans la maison. Donc, c'est comme ça, quand j'ai eu un peu d'argent, je suis venu donner. Il dit, ah, voilà un peu, j'ai eu. Toi aussi, mets un peu. Il a mis un peu la poule, c'est dur. Quand j'allais venir la payer télé, j'ai trouvé télé. J'ai trouvé petit frigo, j'ai trouvé des tapis. Il dit, mais c'est bon. Il dit, ça te plaît? Ah, c'est bon. Et aujourd'hui, vous vivez votre vie de famille, ouais, paisiblement. Ouais. Madame est commerçante. Vous travaillez, vous, dans une structure, ouais, qui vous permet justement de prendre en charge votre belle petite famille. Ouais. Et vous êtes heureux. Un peu ça. Maury, ouais. C'est quoi le petit nom de Denise? C'est mon bébé. Ok, d'accord. Donc vous allez la regarder. Denise, c'est un exercice qu'on fait ici dans un couple d'histoire. Et Maury va vous faire une déclaration devant le monde entier. Maman, j'ai envie de te dire merci beaucoup d'avoir cru en moi. Parce que c'était pas évident, je n'étais personne. Aujourd'hui, je suis en train de me forger une personnalité. Je te dis merci d'avoir cru en moi, de m'avoir accompagné dans cette longue et pénible marche. Denise, le petit nom de Maury, c'est? Mon caramel. Mon caramel. Oh, oh. On va regarder le caramel fondant en face et lui faire une déclaration. Mon caramel, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. En tout cas, tu m'as... Bon, je ne sais pas, je me suis dit non que... Où tu devais arriver, et pourtant tu n'allais pas arriver, mais tu t'es battu pour moi. On a eu 19 ans. Ensemble, une longue vie. Amen. La santé, c'est que ton père désire, que Dieu te donne. Merci beaucoup. Et pour qu'on puisse s'occuper de nos enfants. Merci. C'est beau, on applaudit. Ils ont 19 ans de vie de couple. On a des personnes qui vous connaissent et qui ont accepté de parler de vous. Suivons leur témoignage. Je voulais commencer d'abord par M. Diané. Et lui qui est un ami d'enfance, dont les parents se connaissent, ce sont des voisins du quartier, on a grandi ensemble et tout. Et Denise qui est sa femme, elle aussi qui est une petite sœur. Ce sont des personnes que j'ai connues depuis le bas âge. On a grandi ensemble, on a fait le même quartier. On était tous des enfants de la psychologie 2 précisément Bergerville. Ce qui m'a édifié dans les relations de couple,
en partant du copinage au concubinage, il y a des intempéries, des tribulations. Puisque M. Diané, lui, il est musulman et sa femme, elle est chrétienne. Évidemment, elle est partie à l'église. Bon, les musulmans et les chrétiennes, à un certain niveau de la compréhension, ça n'arrive pas à bien marcher parce que les parents, il y a interposition, les oncles et autres. Toute cette tribulation-là, malgré tout, M. Diané a été fort, il a avancé. Mais ce qui m'édifie réellement, c'est que malgré tout ça, ils se sont mariés. C'est que devant les hommes et devant Dieu. Le couple Diané est un couple vraiment édifiant. Et là, il faut qu'on le dise et je dois le dire, c'est un couple qui est assez édifiant. Je suis l'ami de M. Diané. Donc un ami, ça veut dire que c'est un confident. Donc toutes les douleurs de M. Diané, je les partage ensemble, puisqu'on a grandi ensemble. Et au moment du copinage et du concubinage, j'étais. Donc j'ai vécu pratiquement presque tout. Bon, M. Diané, il a été fort, hein, vraiment. Il a été fort parce que avoir des enfants avec une chérie qui n'est pratiquement pas ta femme, qui est ta copine. Bon, les parents n'ont pas encore dit que vous allez vous marier parce qu'elle est chrétienne et autres. Bon, il y a ces tribulations et bien d'autres choses. Monsieur Diané qui n'est pas encore assis financièrement. Bon, il travaille, il se débrouille, il cherche encore à s'aménager. Il y a des enfants à faire grandir, il y a l'éducation, tout ça. C'était vraiment compliqué. Il a persévéré, il a été fort en esprit, moralement, physiquement. Jusqu'à arriver au mariage, c'est un champion. Ok, bon, à M. Diané, toujours, je commence par lui parce que c'est lui qui est mon ami. Je veux lui dire que Dieu ne l'a pas oublié, Dieu ne l'a jamais oublié. Et lui-même, il constate cela. Parce que lui, aujourd'hui, avec sa femme, forme une seule chair. Donc, si sa femme a mal agi, il n'a qu'à considérer que c'est lui qui a mal agi, il cherche à rétablir l'ordre. Si lui, il a mal agi, sa femme considère que c'est elle qui a mal agi, elle rétablit l'ordre. Denise, à toi, je voulais dire, c'était par amour que tu as fait ce sacrifice. Mais maintenant, tu es devenue une épouse. À la grandeur de ces sacrifices, tu dois chercher la perfection d'une bonne femme. Prends soin de toi et que Dieu bénisse le couple Diané parce qu'ils ont été forts moralement, physiquement, ce sont des champions. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ce sont des amis. En tout cas, c'est ça qu'on appelle des amis depuis le début jusqu'à la fin. En tout cas, nous sommes devenus des frères. Maury? Ouais. C'est mes amis d'enfance. Nous sommes nés de la même année pratiquement. Ils ont vu tous les débuts, jusqu'ils étaient à la mairie aussi. Donc, ça ne peut que me réjouir. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager le témoignage, de partager la vie du couple Diané. Nous avons dans le couple une histoire, une petite rubrique, notre petite causerie entre nous, amour et désamour. Amour et désamour, le sujet du jour est le suivant. Ne pas épouser sa femme de galère est-il synonyme de malheur pour un homme? Allez, on ouvre le débat ici et je demande comme ça, Maury. Bon, moi, je ne peux pas apporter des jugements, mais moi, j'ai trouvé tout mon bonheur dans ma femme de galère. Denise? Bon, ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas épouser ma femme de galère, ceux qui n'ont pas galéré ensemble. Moi, quelqu'un qui a galéré, lui, là, ou mais avec elle, là, tu as la mariée. Même ton salaire, même pour tu vas lui donner. Mais il y en a qui disent, bon, on a galéré ensemble, mais aujourd'hui, j'ai besoin. Mm-hmm. Elle n'est pas aussi raffinée comme celle que je souhaiterais avoir, donc... Tu souhaitais, là. Tu as travaillé, mais tu travailles maintenant, non? Si tu voulais qu'en cas de mesprit, nous, même en cas de mesprit grosse, là, tu sais comment tu as fait, puis tu as l'aimé. Le côté bêté sort de Denis. Oui, ça sort toujours. J'ai envie de dire, est-ce qu'une femme qui n'épouse pas son homme de galère aussi, c'est signe de malédiction? Hein? Ouais, des fois, on aime sens. Bien rester dans d'un seul côté, mais ça c'est dans les deux sens. Alors, ma réponse est, je reviens toujours au départ. Est-ce que quand on était dans la galère, on s'aimait réellement? Parce qu'il y a des personnes qui sont ensemble, ils n'aiment pas la fille, mais bon, pour l'instant, elle peut se contenter de sa galère, donc il est avec elle, il l'aime pas. Donc, ce type de gars, quand il va réussir, il va abandonner la fille parce qu'en réalité, il ne l'avait jamais aimée, il s'en contentait. Tout dépend des sentiments qu'on a dès le départ. Les coups durs qu'on prend effritent aussi l'amour. Les personnes se transforment. Elles parlent mal au monsieur parce que bon, il n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Elles ne le respectent plus parce qu'il n'a pas d'argent. Mais le monsieur qu'on ne respecte plus aussi, il encaisse. Donc, les difficultés peuvent transformer l'un et l'autre de sorte qu'au moment où
la gloire arrive, le monsieur, il se dit, bon, j'ai eu trop mal, elle m'a trop humilié, elle m'a trop ceci, je ne l'aime plus. Donc, à raison, on peut évidemment ne pas épouser la femme ou le monsieur avec laquelle ou avec celui avec qui on a galéré. Donc, assumons nos sentiments, travaillons davantage nos relations, posons-nous encore une fois les bonnes questions. Je suis avec quelqu'un parce que je l'aime. Le couple Diané, ils ont été complices, il le dit, c'était ma confidente, on avait de longs moments, ils ont partagé un vécu. Donc, quand on avance comme ça, vraiment, sauf extraordinaire, il n'y a pas de raison que M. Diané n'épouse pas Denise à la fin quand tout va bien. Merci Afoué. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Vous l'avez entendu, hein, vous pouvez soit l'épouser ou ne pas l'épouser, mais tout dépend de la base que vous aviez lorsque vous traversiez ces moments de difficulté. En tout cas, nous, on a été ravis d'être en votre compagnie pour ces 52 minutes. Je vais me retourner vers le couple Diané. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire, Maury, surtout vous, si jeune, avec ce sens de la responsabilité? Un message à l'endroit des hommes qui nous écoutent et qui nous suivent. À tous ceux qui m'écoutent, quand on parle de mariage, on parle de complicité, de confiance. Parce qu'on ne parle pas avec une femme pour juste le plaisir sexuel. Parce que le coup d'un soir peut devenir déjà une grossesse. Donc allez-y vers la femme que vous souhaitez vraiment épouser, souhaitez vraiment marier. Chacun doit assumer ses actes, voilà, et être aussi responsable. Merci, en tout cas, on s'est rendu compte hein, qu'en classe de première, vous étiez déjà responsable et mature, comme elle dit Afoué. Denise, un message à l'endroit de toutes ces femmes qui nous suivent. Et je dis merci encore à toutes les femmes. C'est pour dire non, que quand tu es avec quelqu'un, que tu prends une grossesse, il ne faut pas écouter la bouche des gens pour dire non, je connais tel médicament, je connais ça. Celle qui témoigne le médicament, là, ouais, elle n'est pas le même corps. Tu restes ton nom, calme-moi, tu es enceinte, tu t'appelles de côté, ah, je suis enceinte, ça dépend de ce qu'il va dire. Mais s'il te dit, va faire avorter, va enlever la grossesse, là, ne l'écoute pas. Va affronter tes parents, excuse-moi que tu es enceinte, ce qu'ils vont te dire là. Mais si t'ont chassé, pour essayer de mettre ta grossesse, Dieu va exaucer quelqu'un et puis tu vas accoucher chez la personne. Faut pas tu aller faire des avortements, faire des trucs. Non, c'est ce que je venais dire quoi. Les jeunes filles de maintenant, vraiment, elles n'ont qu'à rester sages avec les petites amies. Même s'il fait rien, il est cordonnier, il est vigile, faut rester. Le pari, tu connais pas son demain. Non, c'est dans le demain, l'amour, il s'est resté là, puis c'est devenu bon, puis je suis là. C'est devenu Madame Diané. On va applaudir pour Madame Diané. Et on rappelle au passage que vous avez 4 garçons. Oui. L'aîné a 2005. 17 ans. 17 ans. L'aîné a 17 ans. Le deuxième a 14 ans. 17, 14. L'autre a 10 ans. 10 ans. L'autre a 3 ans. 3 ans. 17, 14, 10, 3 ans. On salue tous des garçons. Hein. Ouais. Donc Maury peut être fier. On salue les enfants au passage. Et je vais demander à Afoué ses mots de fin. Et surtout ce qu'elle pense de l'histoire du couple Diané. Alors c'est une très belle histoire qui a connu beaucoup de tourmentes, mais finalement ça s'est très bien terminé et ça va continuer d'être encore mieux qu'avant. Je voudrais demander encore une fois aux jeunes filles de dire non à l'avortement. Et surtout interpeller les parents. Parce que malheureusement, il y a des parents qui poussent leurs enfants, leurs garçons à nier les grossesses. Et ça, je le désapprouve. Vous êtes les parents, vous devez encore plus être responsables que vos enfants. N'encouragez pas les garçons à dire non. Même quand le garçon dit non et que vous savez que le jeune homme a été avec la jeune fille, vous les parents, dites la vérité et assumez la responsabilité avec votre enfant. Ne mettez pas vos filles au dehors. Ne mettez pas vos garçons au dehors parce qu'il y a une grossesse. Donc, chers parents, soyez responsables devant les grossesses. Et encore une fois, la grossesse ne signifie pas que votre enfant, son avenir est gâché. Accompagnez l'enfant, le garçon comme la jeune fille, pour qu'elle puisse suivre sa scolarité, accoucher dans de bonnes conditions. Et la vie va continuer et tout le monde sera content après. Merci infiniment, Afoué. On retient tous, nous devons faire preuve de responsabilité. Que l'amour fleurisse dans vos différents couples. Et n'oubliez pas, il faut toujours assumer ses actes. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, plein d'amour chez vous. Bye bye. Bye.